Ce sont au total 49 participants venus des 9 provinces du Gabon qui vont prendre part à cette édition 2024 du concours interétablissement qui a pour thème la réappropriation des valeurs culturelles. Il y a une présélection qui a été faite du côté de l'Ambaréli. Il y a une présélection qui a été faite du côté de l'Ebamba. J'y étais personnellement. Il y a une présélection qui a été faite du côté de Port-Gentil et dans les différentes localités qui ont été citées. Ces différents élèves vont tous venir du côté de Libreville, au plus tard le jeudi 4, ils seront ici. Alors, le 6 et 7 juillet 2024 sont les deux dates retenues pour cet événement. Sinon, les élèves seront ici depuis le 4, afin de les permettre également d'avoir une séance de travail avec les membres du jury. Le principe, c'est de prôner l'excellence. Un concours qui met en avant les acquis culturels de ces jeunes élites du pays. L'un des organisateurs revient sur les objectifs de ce concours. De ce concours porte à redonner à la jeunesse gabonaise, à l'apprenant gabonais, une certaine vision de la société. Parce que nous savons que toute société est fondée et régie par un code de conduite, par un code de réflexion, par un code même de mentalité. Et vu que certaines choses aujourd'hui qui habitent nos apprenants, ne cadre pas avec les valeurs que les pères fondateurs de ce Gabon ont eu à inculquer aux concitoyens, ce qui fait que nous avons jugé utile de mettre en place un événement dans lequel on pourra redonner certaines valeurs à cette jeunesse. Nous savons que la jeunesse est même la base, ou pour ne pas dire l'élément fondamental du bon fonctionnement d'un pays, dans un futur soit proche ou dans un futur lointain. Se réapproprier les valeurs culturelles du pays, c'est tout l'intérêt de ce concours qui vise à promouvoir les us et coutumes du vert, jaune, bleu.